Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Nechai Ben Yitzhak Vefani Dvora Batester. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Ktuvot, Perek Aleph, Mishnachet. Ra'ua medaberet imechad bashuk. Amrulo mativo shelze. Ishploni ve kohen ou. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim. Ne'emenet. Rabbi Yoshua omer lo mi piano chaim. El ha'arezu bechazket beulal anatinul mamzer. Ad shetavi re'aya lidvareha. On continue avec, on a dit qu'il y avait 4 Mishnayot, maintenant c'est la troisième de la série. Entre un, maintenant, il n'y a plus tellement de conflits entre un homme et une femme, il y a juste, on a vu une femme qui a parlé avec un homme, un inconnu du marché. En fait, parler, c'est une manière propre de dire qu'ils se sont isolés, qu'ils ont fait quelque chose, on sait qu'ils ont fait, et puis elle vient et dit, non, mais c'était quelqu'un de propre, c'était un Kohen Meyuchas, ouais, une famille de très importante, ils ont eu, mais, et ça c'est ce qu'elle prétend. Maintenant, nous, c'est important de savoir qui était ce monsieur, parce que si ce monsieur c'était quelqu'un de pas propre, c'était un Goy, c'était un Natina Mamzer, même si c'était une jeune fille, mais en tout cas, peut-être que maintenant, elle va être interdite pour se marier avec les Kohanim. Parce qu'un Kohen, il ne peut pas se marier avec une jeune fille qui a eu un rapport avec un Goy, même si elle était violée, même si elle était avec consentante. Ouais. Avec un Goy, c'est invalide. Avec un Juif, c'est permis. Sauf si c'est un mauvais Juif, c'est un Mamzer ou un Otin. Nous, on n'en sait rien maintenant. On a les données devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Sur ça, on a de nouveau une marloquette. Rabban Gam, est-ce que... Donc, en théorie, on a un problème. Parce que si on a trouvé cette femme qui a eu un... Qui a eu un problème, alors c'est là où ça va justement intervenir cette fois-ci. On n'est plus maintenant dans les différents d'argent, il n'y a pas de problème d'argent, il y a un problème de halakha. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Alors là, sur ça, on a vu une femme qui a eu un rapport, je retraduis maintenant dans les mots et on va voir justement. Rawa Medaberet, on l'a vu parler, c'est-à-dire en fait avoir s'isoler. Im Echad Bashouk, avec un étranger inconnu. Amrou, là, après coup, quand on l'a attrapé, on l'a demandé, mais qui Mativo Chalze? Quelle est la nature? Quelle est l'origine de ce monsieur? Ouais, c'est discuté, c'est quoi ce motivo exactement? Ça veut dire, c'est une manière de dire, c'est quoi sa nature? Ça rapporte dans l'appartement, dans le Tosotium Tov. Quelle est la cause? D'où il provient? Oui? Alors, elle nous répond, Ishploni, à lui, Vekoen, ou c'est telle personne, et c'est un Kohen. Un tzaddik. Tzaddik, tzaddik. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, Rabban Gamliel, ils nous disent, Nehemenet, on la croit. Pourquoi? En réalité, c'est pas qu'on la croit grâce à elle, comme il nous dit le Barthénora, parce que, il ne dit pas le Barthénora, c'est plutôt le Tosotium Tov qui nous dit, les fichiers Bechaskat Kashrut. Elle est Bechaskat Kashrut. Là, quand elle est née, cette femme-là, elle est née de bonne famille, elle est pour le moment permise à se marier avec le Kohen. Il y a eu un incident qui s'est produit, est-ce qu'elle a changé de statut ou pas? Hazaka, qui a été Kshera, elle reste Kshera. Ah, peut-être qu'on ne sait pas qui il était, on ne sait pas qui il était, ça marche. Rabbi Yoshua Omer, Lo Mipiha Anuchaim. Pourquoi? Parce que on ne peut pas sonder sur cette femme-là. Comme il nous dit, alors c'est assez discuté pourquoi, mais il reporte le Tiferet Israël, le Yachin, il nous dit, parce qu'à partir du moment où cette femme-là nous a montré qu'elle est. Franchement, une jeune fille qui a eu un rapport avec quelqu'un, on ne peut pas se fonder sur elle, qu'elle vérifie avec qui elle a pas de casquette chaude, elle ne se conduit pas comme il faut. Si elle ne se conduit pas comme il faut, on ne peut pas du tout se fonder sur elle, elle ne peut rien vérifier. Et dans ce cas-là, elle reste en safek, on ne sait pas quelle est sa nature. Et l'homipé anokhaï, on ne peut pas se fonder sur elle. Elle a un réseau de casquette béola, elle cède à la tentation à un étranger. Franchement. Ça va changer si cet étranger c'était le plus bachour, le plus statique de Ponovitch, ou si c'était le plus mekulkal de ce que vous voulez. Franchement, ça cherche. C'est une femme qui cède. C'est une femme qui cède, donc on peut plus sonder sur elle. Elle est dans ce cas-là, un réseau Vereskat Beoula Lenatine Mlamzer, on va la soupçonner, la prétendre, comme si qu'elle a un rapport, peut-être éventuellement avec un Natine ou un Mlamzer, avec un bâtard qui a envahi la femme. Jusqu'à ce qu'elle va nous apporter la personne en question et nous dire oui, c'est effectivement lui, et on pourra la prétendre qu'elle est Kshira, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.